vous emmène à Monestier, un petit village médiéval situé au bord du Céroux, particulièrement agréable l'été quand il fait très très chaud. C'est à environ 20 km d'Albi. Vous pouvez tranquillement vous allonger sur le bord du Céroux, prendre un petit pique-nique, tout en admirant un merveilleux troupeau d'ânes. Voilà, je vous en ai amené un exemplaire. Un troupeau d'ânes qui présente des espèces différentes et rares et qui est tenu par une association très intéressante, Éveillane. Et puis donc, vous pouvez flâner tranquillement dans les rues de ce petit village médiéval. Monestier, ça vient de monastère, hein, ça prouve qu'il y a eu des gens là depuis très très longtemps, au Xe siècle en tout cas, on a donné ce nom au village. Et en vous promenant, vous allez tomber sur quelque chose d'extraordinaire. C'est dans une chapelle, donc là, ça s'appelle la chapelle Saint-Jacques, une statuaire entre le Moyen-Âge et la Renaissance, ça s'appelle la mise au tombeau. C'est unique en son genre parce que les personnages qui sont représentés là sont grandeur nature. Vous avez en haut le Christ en croix et puis ensuite la Pietà, c'est-à-dire la Vierge qui reçoit le corps de son fils. Et ensuite, donc, des personnages grandeur nature, une vingtaine qui sont là, qui étaient les plus proches amis du Christ et qui ont été représentés donc par un sculpteur génial. Et ce qu'il faut dire aussi d'extrêmement touchant, c'est que la population de Monestier, donc au 18e, alors que ces statues étaient à l'abandon dans un château, ont pris sur eux de transporter tous ces personnages dans des camions, dans des charrettes, pour les mettre en sûreté. Et elles sont aujourd'hui donc devant nous, pour notre plus grand bonheur.